Alors bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série d'enseignements sur l'évangélisation. Alors pourquoi ce thème? Parce que il n'y a rien de pire qu'en tant que chrétien de ne pas avoir d'impact, de ne pas pouvoir témoigner de sa foi, de ne pas pouvoir emmener des personnes au Seigneur, de voir des personnes mourir sans Jésus, c'est horrible en tant que chrétien. Donc on doit savoir témoigner, assumer sa foi. Donc on va tenir une série de 5 enseignements sur l'évangélisation. Donc installe-toi tranquillement, abonne-toi pour pas manquer la suite des enseignements et c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 manières pour évangéliser, 3 choses que le Seigneur m'a inspiré à vous transmettre pour évangéliser, pour témoigner, pour apporter Christ. Alors la première chose, le premier point qu'il va falloir noter, parce qu'il faut toujours prendre des notes, c'est par ton identité. En effet, lorsqu'on voit quelqu'un qui a des passions, quand on voit quelqu'un qui a des valeurs, on est un petit peu inspiré par cette personne. On a envie de lui ressembler. N'est-ce pas que quand tu étais jeune, tu aimais sûrement un artiste, une artiste, et tu avais des posters dans ta chambre. Et puis tu voulais suivre cette personne, tu voulais lui ressembler. Et on a un petit peu tous fait ça. Moi, je sais que j'aimais beaucoup à certains moments les jeux vidéo et je m'identifiais plus à un personnage. Je voulais avoir sa vie. Quand je jouais aux jeux vidéo, je pensais à ce personnage-là. Je voulais lui ressembler, avoir sa voiture, son logement. Je me créais une vie un petit peu en jouant. Et en fait, c'est l'identité de la personne que j'essayais de m'approprier. Ou quand je voyais des personnes sur Internet, des personnes connues, je voulais leur vie. Et je commençais à copier leur manière de parler, leur manière de m'habiller, leur manière de faire. Et ça, c'est l'identité de la personne. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le monde n'a rien à nous apporter. C'est nous, en tant que chrétiens, étant la lumière du monde, qui devons apporter au monde. Donc, c'est déjà important que toi-même, tu puisses le savoir que tu as quelque chose à apporter au monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde qui a quelque chose pour toi. Quand je vais sur Internet, comme on va tous sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat peut-être, on pense des fois que le monde a plus que nous. Nous qui sommes chrétiens, le monde a plus parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des amis, ils ont des opportunités. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un mensonge du diable. Parce que c'est vrai qu'une fois, je me suis dit, pourquoi les gens du monde, ils sont toujours joyeux alors que moi je suis jamais joyeux, ils sont solidaires alors que nous les chrétiens on n'est pas solidaires, on voit des problèmes dans l'église et tout ça. Et en fait j'ai compris une chose, c'est que c'est un grand mensonge. Les gens que tu vois rigoler se trompent entre eux, ils se volent les femmes, ils se volent les maris, ils se font des coups bas. Et je crois que dans le monde il y a des choses bien pire qu'on voit chez les chrétiens. Il faut cesser déjà aujourd'hui de croire que c'est forcément le monde qui doit nous apporter. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc déjà, c'est une chose qu'on doit comprendre, c'est que comment veux-tu impacter si toi-même, tu ne connais pas ta valeur, si tu ne connais pas ton royaume, si tu ne connais pas ce que Jésus a pour toi, si tu ne connais pas, en fait, le trésor qu'est d'être sauvé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, vont se donner un objectif, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent, faire de l'argent. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas aspirer à être pauvre. Mais je pense qu'il faut avoir des objectifs et c'est super. Mais si faire de l'argent, c'est la finalité et le centre de ta vie, tu vas vite être déçu. Je crois qu'il y aura toujours un vide. Même s'il y aura des petites hypes, des petites joies, je crois que ça restera limité. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on adore l'argent. Mais il nous a créés pour qu'on l'adore lui. Et c'est ça qu'on doit annoncer aux gens. C'est que tu as été créé par quelqu'un et aujourd'hui tu dois revenir à lui. Alors au moment où tu le diras à quelqu'un, la personne va dire « bon, ça ne m'intéresse pas ». Mais au bout d'un moment, en fait, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que Jésus ne s'enseigne pas, mais Jésus se révèle. C'est-à-dire que quand tu annonces l'évangile, Jésus va enlever le voile qu'il y a sur les yeux de la personne et elle va réaliser qu'elle avait besoin de Christ. En fait, il n'y a pas besoin de chercher à convaincre parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors, dans mon premier point, c'était par ton identité. Dans 1 Timothée 4, verset 15, la Bible dit ceci.
occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Donc là, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, « Écoute, je veux que ton progrès soit visible aux yeux de tous. » Parce que à quoi bon dire qu'on est chrétien si cela ne se voit pas? À quoi bon dire qu'on est chrétien si on n'a pas l'amour du Seigneur? À quoi bon dire qu'on est chrétien si on ne s'implique pas dans l'Église? En fait, je pense qu'aujourd'hui, ton implication va toucher les autres. Ton progrès doit être visible aux yeux de tous. Moi, je pense que, même je peux vous donner un témoignage, j'ai écouté quelqu'un qui me donnait son témoignage, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui s'était converti parce qu'il avait entendu des chrétiens prier avant un repas. Donc en fait, c'est incroyable, mais si tu es chrétien, mais tu n'as pas l'habitude d'assumer que voilà, je suis chrétien, donc tu n'as pas l'habitude de prier devant tes amis, tu n'as pas l'habitude de bénir un repas, commence à le faire. Parce que tes progrès doivent être visibles aux yeux de tous. Et c'est là que tu vas sauver tes amis, c'est là que tu vas sauver tes proches. Peut-être qu'ils vont faire, comme on dit, les caïds, ils vont faire les gens forts devant toi, tant qu'ils sont en groupe, mais un jour, ils vont venir te parler, ils vont te dire « ça m'a touché ce que tu as fait ». Donc, évangélisons par notre identité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si une personne t'approche, elle doit approcher Christ. Si une personne te parle, elle doit parler à Jésus. Parce que c'est Jésus qui vit en toi. C'est-à-dire que je marche en me disant « ce que je fais là doit présenter Christ ». Parce qu'il y a aussi un contre-courant, un contre-succès, c'est de dire « ben, je suis chrétien, mais je vais pas forcément faire d'efforts pour évangéliser. » Ben, je crois que tu vas même faire pire que de ne pas évangéliser, c'est que tu vas éloigner les gens de Jésus. Parce que les gens vont voir que tu es chrétien, mais que tu n'as rien de spécial. Du coup, pourquoi ils vont se convertir? Pourquoi ils vont venir à Jésus? Si tu es chrétien, mais que tu n'as rien de spécial, tu n'as pas une joie en plus, tu n'as pas le sourire, tu n'as pas le pardon. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on est ambassadeur de Christ. Imagine que tu as quelqu'un de IKEA, un représentant d'IKEA qui vient toquer chez toi, qui te parle et qui te manque de respect. N'est-ce pas que c'est IKEA en globalité qui sera mal vu et pas le représentant? Tu vas dire « Hey, chez IKEA, ils sont impolis. » Ben, parce que le représentant a été impoli. Et ben aujourd'hui, l'impolitesse ou alors je dirais le manque de consécration, la vie de péché, toutes ces choses-là, en fait, éloigne de Christ, montre que Christ n'est rien. Aujourd'hui, quand je lis la parole, j'arrive à comprendre que le cœur de Jésus, c'est que son nom soit honoré de tous. Quand il prie, dans Matthieu 6, il dit « Père, que ton nom soit sanctifié ». Ce qui veut dire que ton nom soit honoré, que ton nom soit honoré, mais de tous, que ton nom soit respecté. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, et là, je suis que sur l'identité, hein, il y a déjà trois points, mais je dois insister. Tu dois te dire, l'image que je véhicule, c'est la réputation de Christ. Aujourd'hui, on va dire, ouais, les chrétiens, ils sont tous comme ci, comme ça. C'est pour ça qu'on doit marquer la différence. Et c'était mon premier point, l'identité. 2, comment témoigner, comment évangéliser? Par ton témoignage. Alors là, on va aller dans la parole, dans Apocalypse 12, au verset 11. La Bible dit ceci, « Ils l'ont vaincu, Satan, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé la vie jusqu'à craindre la mort. » Alors là, on a une clé, on a trois clés en fait dans ce passage-là. On voit que on ne peut pas vaincre Satan sans l'œuvre de la croix. Donc toutes les tentations, les oppositions, tout ça. Donc ça, c'est une clé qui est hyper importante. Ensuite, la Bible dit ceci, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et là, ça dit que tout simplement, ton témoignage il va plus parler que tes mots. C'est vrai que des fois, on a envie de témoigner, tout ça, mais ce n'est pas tellement ce que tu vas dire. C'est plus ce que tu vas être qui va gagner les autres. Tu es quelqu'un qui apporte toujours une bonne joie et ben c'est ça qui gagne. Ensuite, ça dit, ils n'ont point aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout vu comme de la boue sur cette terre et ont prêché le royaume. On véhiculait que ben, notre espérance est au ciel. Donc, il y aurait trois clés, c'est de mettre sa confiance en l'œuvre de la croix. Il faut croire que Jésus à la croix t'a tout donné. T'as donné la capacité de pouvoir témoigner, t'as sauvé, t'as sorti de tout péché. 2, il va falloir comprendre que ce n'est pas tes mots qui convainc, mais c'est déjà ton comportement de base. Et puis 3, il faut comprendre ceci, c'est que tu ne dois pas faire croire au monde qu'il a quelque chose pour toi. Tu ne dois pas aimer la vie sur cette terre, mais aimer la vie céleste.
Et ça, c'est une clé terrible. C'est-à-dire que c'est horrible de voir un chrétien mondain, un chrétien qui se mélange parmi le monde au point qu'il ne marque plus la différence. Comment impacter en étant comme le monde? C'est terrible, mais dans la Bible, on a des exemples d'un homme possédé, par exemple, dans Actes des Apôtres, qui était là, et les esprits en eux ont dit, parce que des disciples sont arrivés pour chasser le démon, l'homme possédé, les démons parlent à travers lui, et on dit, oh, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et là, il parle aux disciples. Des disciples qui n'étaient peut-être pas consacrés, qui n'avaient pas la foi. Alors les démons commencent à tabasser, à déchirer leurs vêtements aux disciples. Et en fait, cet exemple nous montre que les démons connaissaient Paul. Parce que Paul avait un vrai témoignage. Paul était consacré. Mais ces disciples-là, les démons ne les connaissaient pas. Parce que Satan, il sait très bien si tu blagues avec lui ou si tu es vraiment son ennemi. Tu comprends? Donc aujourd'hui, pour avoir une autorité, il faut comprendre que Satan n'est pas ton ami, le monde n'est pas ton ami, je ne suis pas de ce monde, mais je suis consacré. Et c'est de cette manière que tu vas gagner des âmes. Si tu comprends que tu es en guerre, si tu comprends que tu es un soldat, si tu comprends que tu as une mission et que sur cette terre, tu ne dois pas te faire avoir. Ton cœur doit être dévoué pour Christ et pas entre deux choses, ni chaud ni froid. C'est ça, et c'est de cette manière que tu pourras impacter. Alors, quelqu'un une fois a dit cette expression, je n'entends pas ce que tu dis, car ce que tu es parle trop fort. À méditer. Et mon troisième et dernier point, nous pouvons évangéliser par notre intégrité. Alors, le mot intégrité vient du mot entier, être entier. Donc, on parle un petit peu encore de l'identité. Au début, on a parlé de l'identité. Ensuite, on a parlé du témoignage. Et là, on parle de l'intégrité. Et c'est tout est lié, c'est sûr. Mais l'intégrité, pour moi, on doit y insister. C'est que c'est compliqué de voir des chrétiens qui sont consacrés, comme on dit, à l'église. Mais quand ils rentrent à la maison, il y a un petit peu, comme je dirais, une double vie. Un petit peu comme j'ai entendu dans un chant, comme les super-héros. C'est-à-dire que les super-héros, ils ont deux vies. Quand ils mettent leur costume et leur vie de tous les jours. Eh ben, je dirais qu'il y en a qui ont la vie de sainteté et la vie de tous les jours. La vie de sainteté, c'est dans l'église et les programmes. Et la vie de tous les jours, ils sont insupportables. Ils mettent du bazar partout, ils manquent de respect, ils répondent aux parents, ils sont feignants, ils font rien de leur vie. Ils commencent à critiquer, ils ne véhiculent pas Christ en fait. Et Dieu nous encourage à être dans cette intégrité parce que Jésus, en fait, à la croix, dans Jean 19, 23, la Bible dit ceci, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Et ils prirent aussi, et là c'est fort, ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et là, ça, c'est dans Jean 19, 23. Donc, en fait, ça nous dit que Jésus à la croix avait une tunique d'une seule couture, dans une seule pièce. Il n'y avait même pas de couture. C'était dans une seule pièce, sa tunique. Et ça, c'était pour symboliser, parce que Dieu fonctionne avec des symboles, c'était pour symboliser son intégrité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs coutures sur le vêtement, c'était taillé dans une seule pièce. Et Jésus était intègre avec sa mère, avec ses amis, avec ses proches, avec, je ne sais pas, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les hérodiens, tout ce que tu veux. Avec les samaritains, Jésus était le même. Il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Il est intègre, il est entier. Et nous, des fois, on est à 95%. Mais il y a toujours des petites zones d'ombre. Il faut faire attention à ne pas manquer l'intégrité parce que c'est dans l'intégrité qu'on va impacter. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas dit comment il faut parler, je n'ai pas dit comment il faut annoncer, mais j'ai donné des clés qui sont bien plus profondes. Des clés qui sont bien plus profondes parce que ce n'est pas ce que tu vas dire qui est important, mais c'est ce que tu vas être. Alors, il y aura encore 4 vidéos sur l'évangélisation. Je t'encourage à t'abonner, d'activer la cloche et on va juste passer un petit temps de prière où je veux remettre ta vie. Et je veux juste pouvoir demander au Seigneur de te bénir. Et là où tu es, si tu n'as pas accepté le Seigneur, je prie que tu puisses faire cette démarche où tu puisses dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi.
Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu peux prier durant cette vidéo. Tu peux passer un temps où tu lui dis avec tes mots ce que tu as besoin. Si tu veux témoigner, si tu veux annoncer, parle-lui avec ton cœur parce que c'est ton Père. Prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Et je veux prier pour toi, même si tu as réussi ou tu n'as pas réussi à prier. Je veux juste te recommander et je veux demander au Seigneur de t'utiliser, de faire de toi son serviteur, sa servante et bien plus encore, même son fils, sa fille. Aujourd'hui, que tu puisses retrouver ton identité en Christ. Je prie que le Seigneur fasse son œuvre avec toi et que tout ce que Satan avait commencé s'arrête aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien de plus important que de prier à la fin de cette vidéo. Il n'y a rien de plus important qu'une fois que cette vidéo s'arrête, que tu puisses passer un temps où tu lis la parole, tu lis les évangiles, où tu pries, où tu recherches Dieu parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Allez, à très bientôt. Abonne-toi. À très vite. Mais surtout, ne me suis pas, mais suis Jésus. À bientôt.